Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder à la guidance du mois de juin pour le signe de la balance. Alors n'hésitez pas à partager, liker mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne, ça me donne l'énergie de continuer. Et puis si vous avez besoin d'une guidance privée, je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Alors les balances au mois de juin. Les balances au mois de juin, quelle est votre force? Les balances au mois de juin, quelle est votre force? Quelle est votre force? Quelle est votre faiblesse pendant ce mois? Quelle est votre faiblesse? Quelle est votre faiblesse? Qu'est-ce que l'air a à vous dire, les balances? Qu'est-ce que l'air a à vous dire? Qu'est-ce que le feu a à vous dire? Qu'est-ce que le feu a à vous dire, les balances? Qu'est-ce que la terre a à vous dire? Qu'est-ce que l'eau a à vous dire? Qu'est-ce que l'eau a à vous dire? Et comment vous finissez le mois, les balances? Comment vous finissez le mois de juin? Ok. Allez, on va prendre une carte pour voir quelle est la tonalité de votre mois, les balances. Quelle est la tonalité de votre mois? Ben écoutez, celle-ci a voulu se retourner. L'île au trésor. Donc, je pense que vous allez avancer les balances sur ce que vous avez envie de concrétiser et ça va être vraiment bénéfique. Vous allez en tirer des bénéfices. Vous voyez, il y a cette malle sur le dos de la tortue. On dirait comme une malle au trésor. Et je pense que tout doucement, mais sûrement, vous avancez vers ce qui vous ferait envie, ce que vous savez qui peut vous faire du bien, et ça va être payant, les balances, de suivre votre cœur, hein, de suivre ce que vous avez envie de mettre en place. Alors, quelle est votre force ce mois-ci, les balances? Votre force, voilà, c'est la force du 7 d'épée. Je pense que vous allez savoir déjouer les ruses des autres, savoir éclaircir... Vous voyez, cet homme, il est sous la lune. Je pense que vous allez savoir éclaircir certaines situations, lever le voile sur certaines choses. Aussi, ne pas trop... oui, c'est ça, vous faire manipuler et voir là où on essaye de vous rouler ou de profiter de vous. Je pense que ça va être... c'est ça ce mois-ci, les balances, c'est de savoir déjouer les ruses et les manipulations des autres. Savoir aussi peut-être vous protéger, comment dire, des projections des autres, de leur peur. Alors, quelle est votre faiblesse ce mois-ci? La faiblesse, c'est le pape. Peut-être qu'à un moment donné, vous pourriez douter les balances de ce que vous voulez vraiment. Vous savez peut-être pas trop savoir vers quel chemin vous diriger. Parce que, voyez, comme on voit sur cette carte, c'est une tortue. Donc, les tortues, quand même, elles avancent très lentement. Mais en allant dans l'eau, en changeant d'élément, en changeant d'univers, elle peut aller plus vite. Et du coup, votre faiblesse, c'est juste peut-être à un moment donné, peut-être de faire différemment, peut-être de demander de l'aide à quelqu'un ou qu'une personne vous guide ou vous montre un peu le chemin. Mais peut-être pour ça, il va falloir changer d'univers, peut-être aller taper à des portes là où vous n'avez pas l'habitude d'aller. Il y a vraiment l'idée peut-être de switcher votre façon de faire pour pouvoir que les choses avancent plus rapidement, les balances. Donc ne désespérez pas, ne perdez pas confiance. Cette carte-là nous parle aussi de perte de confiance dans le sens que c'est une faiblesse pour vous ce mois-ci. Et peut-être à un moment donné, vous allez peut-être plus trouver de sens à ce que vous faites et être en manque de confiance. Alors, quel est votre état d'esprit ce mois-ci? Qu'est-ce que l'air a à vous dire? Quel est votre état d'esprit? L'état d'esprit du 5 de... comment dire, de denier. Il y a vraiment l'idée à un moment donné que, voilà, comme je vous dis, je sens que vous risquez fortement de vous sentir un peu perdu, de vous sentir désemparé et de pas trop savoir où trouver la solution et comment faire différemment. Comme je vous disais, il suffit juste peut-être de changer d'univers. Alors là, peut-être aussi juste d'aller prendre une clé, d'ouvrir une porte sur un monde que vous n'avez pas l'habitude de faire, aller taper à des portes où vous avez
auxquelles vous n'aviez pas pensé, mais aller voir peut-être des personnes qui ne sont pas dans votre cercle amical, de faire différemment, de changer du milieu, de sortir du milieu dans lequel vous êtes. Donc à un moment donné, oui, je pense que vous risquez d'être fortement perdu, même à l'intérieur de vous, et peut-être vous dire aussi que vous n'allez pas y arriver, que vous n'allez pas trouver la solution. Il y a peut-être à un moment donné une histoire de vous sentir un peu abandonné. Mais votre grande force, c'est aussi que vous allez vous rendre compte aussi de par quoi vous êtes manipulé et par les autres. Donc, il y a vraiment un switch à faire dans votre tête, les balances, ce mois-ci. Alors, qu'est-ce que le feu a à vous dire? C'est-à-dire, quelle est votre action ce mois-ci et quelle est votre passion? Le roi de coupe. Peut-être que justement, vous allez rencontrer, en changeant justement de milieu dans lequel vous évoluez, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui est un roi de coupe. Un roi de coupe, c'est quelqu'un qui est extrêmement bienveillant, c'est quelqu'un qui est de très très bons conseils, qui va permettre peut-être aussi de savoir gérer tout l'émotionnel qui est en vous et qui vous assaille. C'est vraiment quelqu'un de très très doux, qui sait les choses, c'est un roi, donc il est dans la maîtrise. Donc c'est peut-être quelqu'un qui va être de bons conseils pour vous guider, pour savoir quelle action juste pouvoir mener, et en essayant de canaliser les émotions qui pourraient vous venir, cet homme va être vraiment de bons conseils. À moins que ce soit vous, les balances, qui soyez ce personnage, que vous soyez cet homme bienveillant, qui a envie d'aider les autres. Et qui pour pouvoir les aider à passer à l'action, et que du coup aussi vous, ça vous aide à passer à l'action, de savoir ce que vous avez envie d'entreprendre. Il y a peut-être là l'idée, quand je vois ce personnage, dans ce que vous avez envie de mettre en place, peut-être l'idée d'un déménagement, peut-être l'idée d'un voyage. Il y a vraiment quand même, vous voyez, on voit ce bateau au large. Peut-être que c'est ça, l'action que vous avez à mener, c'est peut-être de partir loin d'où vous êtes, hein. C'est peut-être ça. Donc du coup, c'est vrai que vous allez être peut-être un peu perdu. Quand je vois, voilà, ce que je vous disais, la tortue, elle change d'élément et elle avance beaucoup plus vite. Elle est dans l'eau là. Il y a peut-être l'idée, oui, d'un voyage, d'un départ au-delà des mers. Alors la Terre, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? C'est-à-dire où en est votre carrière et vos finances ce mois-ci? Le 8 de coupe. Oui, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose de, voilà, quand je vois cet homme-là avec ce bateau, et là, il y a l'idée d'un nouveau départ. Vous quittez quelque chose au niveau de votre travail, les balances. Vous laissez derrière vous pour quelque chose de plus lumineux, quelque chose que vous avez envie de mettre en place. Et il se peut que vous quittiez votre travail parce que ça ne vous convient plus et que vous laissez derrière tout un passé. C'est pour ça qu'à un moment donné, vous risquez fort d'être déstabilisé, de ne pas savoir par où prendre les choses, et de pas trop, peut-être, voilà, vous dire que vous n'êtes pas bien guidé. Enfin, il y a à un moment donné, il y a une sorte de perte de confiance. Mais je pense que vous allez rencontrer quelqu'un qui va faire que vous allez pouvoir amorcer quelque chose de nouveau, les balances. Alors, l'eau, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? C'est-à-dire, où en sont vos émotions et vos relations ce mois-ci? C'est le 5 de bâton. Du coup, c'est vrai que au sein de vos relations, tout ce. Peut-être, voilà, comme vous avez sans doute, je sens très fortement un envie de départ, de changer les choses, ça risque de créer des tensions au niveau de votre cercle amical. Les gens ne vont pas vous reconnaître. Chacun va vouloir vous expliquer sa vision du monde, sa vision de voir les choses, et ça va créer des tensions au niveau de votre cercle amical. Chacun croyant détenir ce qui est juste et bon pour vous, mais j'ai envie de vous dire, il n'y a que vous-même qui savez ce qui est juste pour vous. Donc je pense qu'au niveau de vos relations, tout ça, tout ce que vous avez envie de mettre en place, ça risque de créer des tensions. Et votre grande force, comme je vous disais au début du tirage, c'est que vous allez voir les gens qui essayent de vous manipuler, et qui sont dans la ruse avec vous, qui ne sont pas francs et qui vous cachent des choses. Et du coup, c'est vrai que ça risque de créer quelques tensions, hein, à l'intérieur de vos relations. Alors, comment vous finissez le mois, les balances? Ouais, vous voyez, le 6 des pays. Il y a vraiment, quand je vous disais, l'histoire d'un départ. Là, on voit un bateau, on voit une femme qui quitte à la fin du mois. Ça y est, vous partez, vous larguez les amarres, vous laissez pas mal de choses. Alors, c'est vrai que ça va, cette femme, comment dire, sur cette carte, elle est quand même triste. C'est vrai qu'il y a peut-être un deuil à faire d'une ancienne vie. Mais, vous voyez, si vous suivez
ce qui est là, la tonalité de votre moi, ça va être payant. Au bout du voyage, c'est plein de cadeaux qui est là pour vous. Et c'est ce qui est le plus beau des cadeaux, à mon sens, c'est de vous choisir vous et d'écouter ce qui est là vraiment pour vous à l'intérieur de votre cœur. Alors, un message supplémentaire pour vous, les balances. Celle-ci. Ok. Alors, la force de la gentillesse. Montrer la bonne personne que vous êtes sans rien attendre vous donne une force extraordinaire. C'est voilà ce que je pense, ce que je ressens, c'est d'être gentil avec vous-même. C'est comme je vous disais, d'écouter votre cœur. Et ça va donner, ça va vous donner une force extraordinaire pour pouvoir faire bouger les choses comme vous avez envie de les mettre et comme vous avez envie de les vivre. Voilà, très très beau mois les balances, plein de, je pense, de choses à laisser. Il y a vraiment l'idée d'un départ qui se profile là pour vous les balances. Voilà, j'en ai fini avec cette guidance. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs!